Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube iSins, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo informative. Voilà, j'ai décidé de parler un petit peu à propos des partenariats. Il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui sont intéressées pour monétiser leurs vidéos, etc. Et donc il y avait à peu près 4 ans, j'avais fait une vidéo pour devenir partenariat avec MakerMax et Social Blade. D'ailleurs cette vidéo a très bien fonctionné, beaucoup de personnes ont rejoint le network, étaient très satisfaits. Sauf qu'en fait depuis l'année passée, toutes les conditions ont changé. Donc je vais réexpliquer pour les personnes qui connaissaient pas. Donc à l'époque, donc on va dire il y a 3-4 ans, MakerMax en fait c'était le partenariat voilà, de base pour les petits youtubeurs qui rémunéraient bien, qui donnaient des bons avantages, comme vous avez accès à des playlists sans copyright exclusives, etc. Et vous étiez suivi en fait. Vous pouvez communiquer avec des personnes de MakerMax pour essayer d'améliorer votre chaîne sur la visibilité, le référencement, etc. Et donc vous avez vraiment un suivi voilà, pour essayer de vous faire grandir et pour essayer d'agrandir votre audience. Sauf que depuis l'année passée, voilà, à partir de l'avril, je pense, j'ai reçu un mail comme quoi il allait avoir une grosse mise à jour chez MakerMax Studio. Et donc à partir de là, ils avaient changé les conditions d'entrée et ensuite les conditions en tant que partenariat. Donc je vais m'expliquer un petit peu, ça faisait, voilà, je vous le répète, 3-4 ans que j'étais chez eux, et j'ai reçu ce mail, et peu de temps après ce mail, j'ai reçu, vous ne respectez plus les nouvelles contraintes pour devenir partenaire, donc nous allons arrêter le partenariat. Il faut savoir que j'ai fait un contrat de 5 ans, donc c'est-à-dire qu'ils ont cassé le contrat, car je ne respecte plus les nouvelles règles qui ont été instaurées l'année passée. Donc quelles sont ces nouvelles règles? Il faut savoir qu'avant, il fallait seulement 1000 vues par mois, et vous étiez rémunéré à 60%. Maintenant, il faut 20 000 vues par mois. 20 000 vues, les gars. Ça veut dire que maintenant, en gros, leur nouvelle stratégie, c'est vraiment d'attirer les gros youtubeurs. Ils veulent plus s'occuper des petits. Ils se sont dit, les petits youtubeurs, c'était avant, voilà, c'était, on va dire, l'avenir. Et maintenant, ils savent très bien que les gros youtubeurs sont bien rémunérés parce qu'ils sont aidés par l'algorithme YouTube qui a changé aussi. Du coup, ils s'adaptent. Ils se sont dit, bah voilà, les gros youtubeurs, ça fonctionne bien. On va plus prendre de risques à accompagner les petits youtubeurs qui ont un gros taux d'échec. Et du coup, on va essayer de garder nos gros youtubeurs et on va vraiment se focaliser sur eux. Donc voilà, maintenant, désormais, il faut 20 000 vues par mois. Donc voilà, il faut vraiment être un bon youtubeur parce que 20 000 vues, c'est vraiment pas facile. C'est très difficile. Et donc en plus, j'ai reçu un message comme quoi ils ne recrutaient plus. Parce que j'essaie d'avoir des informations, hein. J'essaie de communiquer un petit peu avec eux pour voir voilà, si on pouvait faire quelque chose pour mon cas, par exemple. Et ils m'ont dit, c'est même plus la peine, on ne recrute plus. Donc ça veut dire que si un jour j'aurais dépassé les 20 000 vues, je leur ai demandé si j'aurais pu revenir. Ils m'ont dit non, c'est terminé, on ne recrute plus. Voilà, ça veut tout simplement dire qu'ils ont trouvé leurs clients. Voilà, des clients qui rapportent bien, apparemment, voilà, ils diffusent pas leur liste, hein, mais apparemment, ils ont vraiment des gros clients, des gros youtubeurs. Et du coup, ils ont décidé, voilà, de les accompagner et de ne plus s'occuper des petits youtubeurs. Donc voilà, je voulais vous le dire, les gars, dans cette vidéo, parce que voilà, ça a vraiment changé. Il y a encore des personnes qui s'inscrivent. Il faut savoir que pour s'inscrire, il faut faire énormément de papiers parce que ce sont des sociétés américaines, donc il faut des papiers, voilà, pour justifier comme quoi vous habitez en France, pour déclarer vos revenus, etc. Donc il faut faire un énorme dossier qui prend énormément de temps et tout ça pour recevoir au bout de 2 semaines un mail pour vous informer qu'on ne recrute plus ou vous ne respectez plus les conditions. Voilà, c'est une grosse perte de temps. Voilà, c'était. Je voulais vraiment vous le dire à travers cette vidéo parce que là, ça m'a vraiment déçu. Beaucoup de youtubeurs se sont fait avoir, donc soit ils se sont fait virer, soit tout simplement. Voilà, ils ont décidé de quitter parce que ça valait plus le coup. Donc voilà, je voulais vraiment vous prévenir. Cependant, vous vous doutez bien que j'ai dû chercher un nouveau partenaire sur lequel j'allais pouvoir postuler parce que voilà, actuellement, je n'ai plus de partenariat, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo qui sortira prochainement pour vous présenter mon nouveau network car voilà, j'ai rejoint une nouvelle société qui proposait encore des avantages plus intéressants. Voilà, encore pour les petits youtubeurs bien sûr. Donc vous allez pouvoir désormais monétiser vos jeux vidéo. Voilà, avant c'était pas possible avec MakerMax. Vous allez pouvoir monétiser vos musiques. Vous avez une grosse galerie de musique mais énorme, une énorme base de données de musique. Voilà pour vos vidéos. Et donc voilà, maintenant vous avez vraiment un suivi aussi avec ce nouveau network. J'ai envoyé des mails, j'ai eu des réponses au bout de 2 heures. Au bout de 2 heures, c'est-à-dire qu'ils sont très réactifs. Donc voilà, on va dire que c'est la relève ici en 2018. MakerMax Studio, c'est fini pour les petits youtubeurs. Et j'ai trouvé un nouveau network qui va prendre le relais. Donc voilà, je vais pas vous l'annoncer maintenant parce que là j'ai pas fini l'officialisation, etc. Mais voilà, prochainement il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir. Donc si vous voulez la voir, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo voilà, vous aura aidé à éviter de faire certaines erreurs pour rejoindre ce network qui est MakerMax, il vaut vraiment plus le coup pour les petits youtubeurs, bah, n'hésitez pas à liker et à partager, c'est très important. Ça va comme ça permettre à certaines personnes de ne pas tomber dans le piège. Et puis voilà, nous on va se retrouver pour ce futur tutoriel, les gars, surtout. Restez bien connectés vers ce tutoriel qui va bientôt sortir. J'espère qu'il vous aidera. Allez, ciao et à la prochaine.